Mais bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore ce matin au nom puissant de Jésus. Nous saluons tous nos bien-aimés, qu'ils soient en Afrique, en Europe. Que Dieu vous bénisse pour l'avant-midi qui venait de terminer avec vous et l'après-midi qui va commencer avec vous. Je bénis le Seigneur pour nos bien-aimés qui soient en Asie, en Océanie. Soyez bénis au nom de Jésus. Je bénis l'Amérique en général, le Sud, le Central, le Nord. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens bénir spécialement toutes les provinces du Canada, partout où vous nous suivez ce matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus. Je viens bénir tous nos bien-aimés qui sont répartis dans les 50 États des États-Unis, partout où vous nous suivez. Soyez bénis ce matin au nom puissant de Jésus. Seigneur, notre Dieu est fidèle, il est capable. Nous voulons commencer avec lui et achever avec lui parce qu'il est notre Seigneur. Il est l'alpha et l'oméga. Je bénis le Seigneur pour notre quartier général New York. New York, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Je bénis le Seigneur pour tout, pour les évangélistes de Christ et tout ce qui soutient ce ministère d'une manière ou d'une autre. Je bénis le Seigneur pour ma très chère épouse, c'est toute notre maison. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Mais bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est fidèle, il est vivant, il est puissant. Il a permis que nous puissions nous réveiller ce matin en très bonne santé. Et nous savons qu'il va commencer la journée avec nous pour ces cris matinales que nous lèvons vers lui. Et lorsqu'on crie vers lui, il y a toujours des résultats qui arrivent. Nous voulons commencer la prière. Éternel, nous bénissons ton nom pour ces cris matinales. Seigneur éternel, mon Dieu, nous te bénissons pour nous avoir protégés, pour nous avoir gardés, pour nous avoir, Seigneur éternel, mon Dieu, compté parmi les vivants de ces jours. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance et la magnificence, car d'éternité en éternité, tu es Dieu. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Il n'y aura jamais un Dieu comme toi. Le Dieu de la lumière, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, l'incomparable Dieu, l'insondable Dieu, le véritable Jésus. Laisse que mon âme t'élève. Tu es digne de gloire. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'action de grâce. Toi l'unique Dieu, toi la source intarissable de toute vie. Sois béni, Père éternel, pour ton amour, pour ta grâce, pour ta faveur. Toi le seul Dieu, toi le véritable Dieu, toi l'unique Dieu. Merci Seigneur éternel pour le don de la vie que tu as accordé à mon frère, à ma soeur, et pour nous avoir mis debout, Seigneur, pour t'élever et pour t'adorer et commencer la journée avec toi. Merci Jésus pour ton amour et pour ta bonté. Nous venons maintenant prendre autorité pour renverser tout le plan du diable, tout le plan de l'ennemi, tout le plan des sorciers, et cela au nom puissant de Jésus-Christ Césarée. Nom puissant de Jésus, j'ai détruit toutes les imprécations, les incantations qui ont été faites contre nous et contre nos enfants, contre nos bien-aimés dans le Seigneur. Que ces incantations soient annulées, révoquées, détruites, et cela au nom puissant de Jésus. Toutes les surprises désagréables de l'ennemi contre nos vies, contre nos enfants, contre tous nos bien-aimés dans le Seigneur, soient renversées, soient détruites, soient annulées au nom puissant de Jésus. Toute interférence diabolique soit brûlée, consumée par le feu, et cela au nom puissant de Jésus. Laisse que ton sang, Seigneur, nous nettoie, nous lave, nous purifie, nous sanctifie, nous rassemble dans la sainteté de Christ. Et Seigneur éternel, nous demandons ton esprit à nous diriger. Esprit de Dieu, nous ne savons pas comment prier. Apprends-nous à prier avec des soupirs inestimables. Au nom puissant de Jésus, esprit de lumière, nous avons besoin de toi. L'esprit de Dieu vivant, l'esprit de Christ, cher Saint-Esprit de Dieu, déborde nos vies, déborde nos âmes, déborde nos esprits. Au nom puissant de Jésus, et surtout, prends contrôle de cette journée, les 14e jours du mois de juillet 2020. Merci Seigneur,
Tu commences avec nous comme Alpha, tu vas cheminer avec nous comme Emmanuel et tu vas terminer avec nous comme Oméga. Et toute la gloire, l'honneur, la puissance, l'élévation, la gloire ne reviennent qu'à toi et à toi seul au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Avec une mutation des grâces, merci Seigneur éternel, gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Tu es bon, tu es merveilleux. Tu es puissant Jésus. Merci Seigneur éternel. Gloire et louange à toi Seigneur. Merci Seigneur éternel. Parce que toi tu es Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons élever encore nos voix et adorer notre Dieu. Nous devons l'adorer parce que notre Dieu réside dans l'adoration, la louange de son peuple. C'est là où lui réside. Il est le seul Dieu qui aime que son peuple puisse l'élever, que son peuple puisse l'adorer, parce qu'il est Seigneur, il est Dieu, il est le Tout-Puissant, il est celui qui est saint. Alors nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de Psaume 22, verset 3 au verset 4. « Mon Dieu, je crie le jour et tu ne me réponds pas, la nuit. Et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le saint. Tu sièges au milieu de louanges d'Israël. Mais bien-aimé dans le Seigneur, il est sa résidence est dans l'adoration. Sa résidence est dans les louanges et dans l'adoration de l'Éternel. Va pour bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, nous voulons l'appeler à résider dans notre prière, parce que sa résidence, c'est réellement l'adoration, la louange. Au nom puissant de Jésus, nous allons élever nos voix et remercier notre Dieu, l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, la source intarissable de toute vie, l'unique et le véritable Dieu, qui siège, qui réside dans l'adoration de ton peuple. Nous t'élèvons, nous te bénissons, le Dieu qui nous a protégés, le Dieu qui nous a gardés, qui nous a réveillés ce matin en très bonne santé, malgré les attaques du diable, malgré Seigneur éternel, les imprécations, les incantations. Mais tu as rendu le travail de l'ennemi nul et sans effet. Et nous voici ce matin. L'ennemi a dit qu'il va nous étouffer dans les sommets. Mais toi, l'unique Dieu, tu nous as défendu. Et Seigneur éternel, nous voici pour te dire merci ce matin. Merci l'homme de Galilée. Merci le reste du troisième jour. Merci le soleil levant. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Il n'y aura jamais un Dieu comme toi. Le Dieu des lumières, le Dieu vivant, le Dieu puissant, l'incomparable Dieu, l'insondable Dieu, le véritable Dieu, la source intarissable de toute vie. Reçois l'honneur, reçois la magnificence. Reçois la gloire, car d'éternité en éternité, tu es Dieu. Il n'y a pas Dieu comme toi. Il n'y aura jamais un Dieu comme toi. Le Dieu des lumières, le Dieu vivant, l'unique Dieu. La parole de vie, c'est toi. La parole qui s'est fait chair, qui habitait parmi nous. Seigneur, il t'aime, mon Dieu. Dieu de tout puissant, nous te bénissons le temps de une façon de grâce. Pour la grâce, Père, que tu nous accordes, pour la faveur. Nous ne sommes pas plus que ceux qui sont morts. Nous ne sommes pas plus que ceux qui sont dans le séjour des morts. Tu es le seul Dieu. Le véritable Dieu, c'est toi. Le véritable Seigneur, c'est toi. Le véritable roi, c'est toi. Le tout-puissant, c'est toi. Oh Dieu, le tout-puissant, qui est comme toi. Mais c'est calé à toi. L'inégalable Dieu, l'insondable Dieu, le véritable Dieu, le tout-puissant, l'inégalable Seigneur. Je t'adore. C'est lui qui abroge les lois établies, qui annule les malédictions de la terre. C'est toi, c'est le Dieu. C'est toi, le véritable Dieu. Voilà pourquoi j'ai béni ton nom. J'ai grandi ton nom. Je salue ton nom. Parce que tu es Seigneur. Parce que tu es roi. Parce que tu es Dieu. L'unique Dieu. Le véritable Dieu. Le véritable Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour. Pour ta grâce, Seigneur, toi qui viens finalement, par notre Seigneur et Sauveur Jésus, tu es digne de gloire, tu es digne, Seigneur éternel, mon Dieu. Oh Père éternel, mon Dieu, merci pour, Seigneur, le miracle que tu as opéré pour notre santé, pour nos vies, pour nos enfants. Ce matin, Seigneur, tu méritais d'être adoré, tu méritais d'être béni pour le miracle que tu as été opéré. Merci, Seigneur éternel.
Merci l'homme de Galilée. Merci l'homme de compassion de Toulé. Merci Seigneur éternel, ô Dieu de toute gloire. Merci Seigneur éternel, ô Dieu de toute puissance. Ô Seigneur, merci ô Dieu. Gloire et louange à toi Seigneur, parce que toi tu es Dieu. Tu restes toujours l'unique Dieu. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la magnificence. L'unique Dieu, le véritable Dieu. Alléluia. Qui est comme toi? Qui peut s'égaler à toi, Jésus? Ô Dieu de toute puissance, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance et la magnificence. Car tu es l'unique Dieu, tu es le véritable Dieu. Merci Seigneur éternel, gloire et louange à toi Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons parler livre de Lamentation. Lamentation chapitre 5, verset 7. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons revenir encore au devant du trône de grâce pour demander la miséricorde de Dieu. Car nous allons lentement, quand on a parlé de source de la malédiction, il y a le péché, il y a le mal. Et ces péchés-là commencent par les péchés de nos aïeux qui nous ont poursuivis par les lignes de sang. Et nous avons commencé à répéter les mêmes péchés que nous avons reçus de nos pères. Non seulement répéter les mêmes péchés, mais nous portons les conséquences de tout ce qu'ils ont eu à faire, car la vie d'un père avec ses parents, d'un enfant avec ses parents, c'est un tout indissociable spirituellement. Bah, pourquoi il n'y a que la repentance qui nous sépare du péché? Et lorsqu'on se répand, la Bible déclare, on ne dira plus en Israël que les parents ont péché et le don des enfants se sont agacés. Bah, pourquoi ce matin nous allons revenir au devant du trône de grâce, implorer la miséricorde de Dieu au nom puissant de Jésus par rapport à celui que nous avons eu, des mauvais rêves, des cauchemars, des visitations nocturnes. On est allé, la Bible nous interdit de ne pas être en contact avec les démons, de ne pas manger sur la table du diable, de ne même pas s'essuyer avec la présence. Mais c'est ce que l'ennemi fait tout le jour dans la manipulation des ténèbres. Voilà pourquoi nous allons demander la miséricorde de Dieu. Au nom puissant de Jésus, prions le Seigneur. Père éternel, mon Dieu, nous venons à toi, Seigneur, ce matin, demander ta miséricorde. Pardonne-nous, Jésus, et pitié de nous, Seigneur. Seigneur éternel, mon Dieu, nous sommes sortis des ténèbres, nous sommes sortis des attraits suyés, des attraits de la sorcellerie, des attraits des sirènes, des attraits des magiciens, des attraits des occultus, des attraits des marabouts, des attraits des raviseurs, des maris, de mariés, de femmes d'autrui. Seigneur éternel, mon Dieu, Dieu de toute gloire, de la sorcellerie, pardonne-nous, Jésus, et pitié de nous, et pitié de nous, Seigneur, et nous. Pardonne Seigneur, à cause de cela, les malédictions se sont répandues sur nous. Pardonne Seigneur, nous portons maintenant l'iniquité de nos pères. Nous portons Seigneur les peines de l'iniquité qui sont Seigneur les malédictions. Seigneur, pardonne-nous. Aie pitié de nous Seigneur, nous ne sommes pas dignes de nous approcher du trône de grâce. D'ailleurs, nous ne connaissons même pas ces abominations-là. Nous ne savons même pas ces abominations-là. Seigneur, tel est mon Dieu, mais nous sommes en train de vivre. C'est moi les peines, les conséquences. Mais aujourd'hui, tu venais de nous dire, Seigneur éternel, que nous portons les peines de tous les Seigneurs éternels. Nos parents n'ont pas connu Dieu. Nos parents ont adoré le faux Dieu. Ils ont fait l'idolâtrie. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne, Seigneur. Ils ont appelé les sirènes à régner sur eux. Ils ont appelé les serpents à régner sur eux. Ils ont appelé les animaux à régner sur eux. Seigneur éternel, mon Dieu, pardonne-nous, Jésus. Et nous avons signé des alliances de tout genre. On a signé le pacte avec le diable, et dans les termes qu'ils ont signés, on a livré les générations futures. Seigneur, pardonne-nous. Voilà pourquoi toutes ces calamités se répandent sur nous. Voilà pourquoi tous ces malheurs se répandent sur nous. Voilà pourquoi toutes ces souffrances se répandent sur nous et sur nos enfants. Seigneur, pardonne-nous.
Nous revenons, Seigneur, au devant du trône des grâces. Seigneur éternel, mon Dieu, les anomalies dans le corps. Seigneur éternel, les échecs répétés. Seigneur éternel, mon Dieu, les enfants se révoltent contre les parents et contre toi. Seigneur, pardonne-nous, Jésus, des maladies opinales, des maladies mentales. Seigneur éternel, mon Dieu, des échecs, des régressions, des humiliations, des régressions dans la prière. Seigneur, tu es capable de se maintenir dans la prière et capable de méditer la parole de Dieu. Pardonne-nous, Jésus, et pitié de nos pères, et pitié de nos mieux, de nos enfants, de nos époux, nos épouses, et le pitié de nos frères et soeurs, et pitié de nos familles spirituelles et physiques. Seigneur éternel, mon Dieu, pardonne, Seigneur, pardonne l'homme éternel, pardonne, Seigneur éternel. Nous ne sommes pas dignes de nous approcher du trône de grâce. Nos âmes ont été souillées. Nous étions dans les ténèbres. On a mangé dans les ténèbres. On a eu des visitations. On a été accompagné avec les démons. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, et pitié de nous, Jésus, et pitié de nous, l'homme de Galilée. Nous avons péché, Seigneur, nous avons péché, nous avons été rebelles, Seigneur, vis-à-vis de toi. On a désobéi à ta parole, on ne médite même pas la parole, on est tout le temps distrait dans les réseaux sociaux, à te de commenter, à te de regarder les choses, à des choses qui nous suivent, les commentaires qui nous suivent. Seigneur, pardonne-nous, Jésus, pitié, pardonne, Seigneur éternel, nous avons péché contre toi et contre lui. Humanité, et pitié de nous, Seigneur, et pitié de nous, Père, la sorcellerie dans la famille. On a tenu, mon Dieu, on a tout sacrifié dans la sorcellerie. Nous avons sacrifié par les alliances inconscientes, pour les alliances inconscientes, par les alliances générationnelles. Nous sommes en train de sacrifier. On a sacrifié nos affaires, on a sacrifié nos enfants, on a sacrifié nos intelligences, on a sacrifié, Seigneur, éternel, mon Dieu, pardonne-nous, Jésus, et pitié de nous, Père. Et pitié de nous, Seigneur, ô Dieu de toute gloire, tout ce que tu as déclaré contre nous, toutes les malédictions qui se répandent aujourd'hui. Seigneur, pitié de nous, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, l'homme de Galilée, pardonne nos enfants, nos enfants sont en train de payer le prix, et de le prix, nous, Seigneur éternel, de nos péchés, de péchés de nos aïeux, de péchés des ancêtres, de péchés de tout ce qui nous ont précédé. Seigneur éternel, mon Dieu, ayez pitié de nos enfants, ayez pitié de nos progénitures. Seigneur éternel, mon Dieu, nous demandons ta miséricorde. Pardonne Jésus, pardonne l'homme de Galilée, pardonne Seigneur de Galilée, pardonne au Dieu de toute puissance, et pitié de nous, et pitié de nos enfants, et pitié de nos enfants, et pitié de nos parents, et pitié Seigneur de Galilée. On est passé dans les régimes de suyer au Seigneur, tout ce que nous avons connu, ce sont des suyers, tout ce que nous vivons, les suyers que toi tu as révélé, que toi tu as donné, que tu as monté, Père, toutes ces suyers que tu nous as montrés, Seigneur de Galilée, mon Dieu, nous nous répandons devant de toi, nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons péché, que nous avons été rebelles avec toi, que nous avons été rebelles à ta parole. Seigneur, aie pitié de nous, toi qui renouvelles tes compassions chaque matin, renouvelle tes compassions ce matin, renouvelle tes compassions ce matin 14, Seigneur, nous avons besoin de toi, mon frère a besoin de toi, ma soeur a besoin de toi, ton peuple a besoin de toi, même nos bien-aimés qui ne prient plus, même ton bien-aimé qui parle à malédiction, ils ne sont plus dans la prière. Seigneur éternel, mon Dieu, est capable d'accéder à la prière. Seigneur, pardonne au Dieu, pardonne le Père, pardonne, Seigneur, tous ceux qui sont pressés par le diable, tous ceux qui sont pressés par les ténèbres, parce que Seigneur éternel, le terme des contrats que nous avons signé avec le diable, on avait consacré notre vie à servir le diable, à servir le Seigneur, et nous a donné les démons qui nous conduisaient, les démons qui nous orientaient. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne, Seigneur, dès lors que nous avons reçu Jésus, Père éternel, mon Dieu, ces démons-là se sont soulevés contre nous, en termes, Seigneur éternel, des alliances que nous avons signées. Ils sont tentés de bloquer tout, de détruire tout, de ruiner tout, Seigneur, de nous amener que le mal, de nous amener que les ténèbres, de ruiner notre vie, de ruiner nos enfants, de ruiner nos parents, de ruiner, Seigneur éternel, nos frères et sœurs. Seigneur, pardonne, Jésus, tourne ton regard de pitié vers nous, tourne ton regard de pitié vers ton peuple, avec tes serviteurs et tes servantes. Seigneur, pardonne-les. Et pitié de nous, Jésus. Et pitié de nous, Père. Et pitié de nous, l'homme de compassion et de douleur. Jésus, pitié.
L'homme de Galilée, pitié. L'homme de compassion de douleur. Jésus, pardonne-nous. Jésus, pitié de nous. Jésus, pitié, Père. Pardonne, Seigneur éternel. Pardonne, l'homme de Galilée. Pardonne, l'homme de compassion de douleur. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Le sang que nous portons, eh bien, programmez-le. A été programmé par les péchés, les mal de nos ancêtres, dans notre sang. Seigneur éternel, mon Dieu, voilà pourquoi notre temps ordre, c'est toujours aller vers le mal, à toujours vers le mal. Seigneur, aie pitié de nous. Pardonne-nous, Jésus. Nous ne sommes pas dignes de nous approcher du trône de grâce. Oh Seigneur éternel, mon Dieu, pardonne Jésus, pardonne l'homme de Galilée. Mais bien aimé, non, le Seigneur, d'après la loi, tout est purifié avec du sang. Et sans effusion ni sang, il n'y a pas rémission de péché. Et Jésus-Christ s'arrête. Il est mort pour nous. Il nous avait nettoyé, purifié, justifié par son sang. Nous allons appeler ses propres, le sang de l'agneau, à nous nettoyer, à nettoyer nos enfants. Donc, bien aimé, non, le Seigneur, au nom puissant de Jésus. Oh Père éternel, mon Dieu, que ton sang me nettoie ce matin. Nettoie ma vie, nettoie ma femme, nettoie mes affaires, nettoie ma progéniture. Le sang de l'agneau immolé, le sang de Jésus-Christ, lave-nous complètement de toutes les suies conscientes et inconscientes que nous avons eues. Seigneur éternel, mon Dieu, on a été accompagné avec des démons. Lave-nous complètement des suies de tout ce que nous avons mangé consciemment et inconsciemment. Seigneur éternel, mon Dieu, le sang de Jésus. Le sang de l'agneau, tout ce que Seigneur éternel, mon Dieu, le suir du diable, Seigneur éternel, soit ôté, Seigneur, soit enlevé, Seigneur, par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus, par le sang de Christ, par le sang de Jésus. Oh Dieu le Tout-Puissant, merci Seigneur éternel, merci l'homme de Galilée, mais bien aimé dans le Seigneur, nous allons boire le sang de Jésus, le sang de l'agneau, que le sang évacue tout ce qui est du diable en nous, tout ce qui est plantation des ténèbres, même la croissance est maléfique, des maladies opinales, des cancers, des tensions, d'hypertension, soit déracinés de notre corps, soit délogés, toute anomalie que l'ennemi a placée dans notre corps, par les semences, par la nourriture, tout ce qu'elle a injecté, par les voies sexuelles, par la nourriture la nuit, soit déraciné, soit délogé, soit enlevé par le sang de Jésus. Commencez à prier, mes bien-aimés, plaide le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus. La Bible déclare par le maîtrisé de Jésus que nous sommes guéris. Je bois le sang de Jésus, entre dans mes entrailles, entre partout, et que toutes les semences du diable dans ma vie soient évacuées, biflashables, soient évacuées maintenant par le sang de Jésus, le sang de l'agneau, tout envoûtement dans ma conscience, tout ce qu'on a mis dans mes organes. Des dysfonctionnements de mes organes. Seigneur éternel, mon Dieu, ce que soit libéré, ça est vaincu de mon corps. Au nom puissant de Jésus, toute anomalie dans ma conscience, dans mon intuition, dans mon ventre, dans mon bas-ventre. Seigneur éternel, mon Dieu, soit ôté maintenant, soit enlevé maintenant. La maladie de la famille, la maladie de la maison de mon père. Au nom puissant de Jésus. Le sang de l'agneau immolé, le sang de victoire, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de Christ, le sang de Jésus-Christ. Oh Dieu de toute puissance, nous déracinons la sémence de sirène, la sémence de la sorcellerie, la sémence de la mort qui a été placée à nous, soit déracinée, soit délogée maintenant. Toute maladie opinale, toute maladie, tout malaise dans le corps, tout est, Seigneur, t'as des maladies, les arrêts cardiaques, les AVC, tout ce que les l'ennemi a prévu aujourd'hui, soit déraciné, soit délogé, soit enlevé par la puissance du sang de Jésus-Christ. Tout Seigneur éternel, mon Dieu, le sémon du diable, le sémon de l'ennemi, dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos progéniture, soit déraciné. Les anomalies, les infirmités parmi nous, Seigneur éternel, mon Dieu, les infirmités de la vie de nos enfants, soit délogé. La sémon du diable, la sémon c'est de la destruction, les sémon de la destruction, quand a placé dans notre corps, qu'on a placé dans notre âme, qu'on a placé dans notre esprit, soit déraciné maintenant, soit délogé maintenant. Les marques de mon éternel, le marque de la malédiction qu'on a placé à nous, mes bien-aimés dans le Seigneur, enlève les marques de malédiction qui est tenté de te poursuivre partout, ou on te rejette partout. Enlève le paix, les marques de la malédiction placées à moi, le marque de la malédiction placée dans la vie de ma femme, placée dans nos, à dans tes corps, dans notre
notre âme, dans notre esprit. Seigneur éternel, mon Dieu, que ces marques de la malédiction soient ôtées de nos vies, soient ôtées de notre inconscient, de notre subconscient, de notre intuition. Marques d'échec, marques de maladie opiniale, marques, Seigneur éternel, de stérilité, marques de célibat, marques, Seigneur éternel, soient ôtées de pauvreté, de l'humiliation, de la honte, marques d'esclaves qu'on a placées à moi, les marques de la sorcellerie, les marques de sirène, les marques de la magie, les marques de la famille, toute marque familiale, toute marque d'opprobre, Seigneur éternel, mon Dieu, soit ôté de ma vie, soit ôté de ma conscience, soit ôté de ma subconscience, soit ôté de mon intuition, soit ôté de mon intelligence. Envoûtement, Seigneur, tout envoûtement de la famille, tout envoûtement de la maison de mon père, tout envoûtement, Seigneur, que j'ai reçu, c'était mieux, Père. Je viens me désenvoûter, je viens me désenvoûter, je viens me désenvoûter, au nom puissant de Dieu, l'aveuglement qu'on a mis en moi, l'ignorance qu'on a placée à moi, l'ignorance maintenant, que l'ignorance maintenant soit déracinée, la sémence d'ignorance, soit ôté de ma vie, soit ôté de ma conscience, l'aveuglement, les bandes qu'on a mis dans mes yeux, pour que je ne voie pas, pour que je n'attende pas, c'est éternel mon Dieu, soit ôté, Père, toute chose du diable dans ma vie, dans la vie de ma femme, dans la vie de ma prochaine, soit ôté maintenant, tout ce qui est du diable, que j'ai cité, que j'ai pas cité, dans la vie de mes bien-aimés, soit déraciné, la sémence de la mort, la sémence de la mort, qui est en train de nous poursuivre, la sémence de... Éternel mon Dieu, des ténèbres soient délogées, enlevées par la puissance du sang, par la puissance du sang, par la puissance du sang, par la puissance du sang. Je bois le sang de Jésus, toutes les sémences des serpents dans mon corps, des serpents de l'âme, le Seigneur, le venin du serpent. Soit ôté, soit enlevé par la puissance du sang, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur éternel. Merci l'homme de Galilée, merci l'homme des compassés de douleur, merci Jésus-Christ César. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire maintenant la parole de Dieu, appelé le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vivant, l'Esprit de l'Éternel, dans les livres de Jean, chapitre 16, verset 13 ou verset 14. Car le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera la parole du Seigneur. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant demander le Saint-Esprit à nous conduire, à nous révéler les choses profondes et cachées, à nous donner la connaissance de toutes les malédictions, de la source des malédictions dans notre vie. Au nom puissant de Jésus, Esprit de Dieu, Esprit d'intelligence, viens me conduire à ce jour, le 14e jour du mois de juillet. Viens conduire ma vie, viens conduire mon âme, viens conduire mon esprit, que tout ce que je veux faire, que le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, viens conduire ma femme dans toutes les dans tous les rendez-vous, dans tout ce que nous allons partir, faire, nous allons au travail, partout nous allons partir, que le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ nous parle, nous conduise, nous dirige, nous donne la sagesse, nous donne l'intelligence, nous donne la compréhension. La Bible déclare, au même instant, le Saint-Esprit te dira ce que tu auras dit. Au nom puissant de Dieu, Esprit de Dieu, prends-nous en charge, dirige-nous, conduis-nous, oriente-nous, parle-nous, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu vivant. Merci au Dieu de toute gloire. Merci l'homme de Galilée, merci l'homme de compassion et de douleur, merci Jésus-Christ, ô Dieu de toute gloire, que toute l'honneur, la gloire, la puissance et la magnificence ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Merci Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons annuler tous les projections de l'ennemi qu'il a prévu en ce jour. Dans Psaume chapitre 21, verset 12, la Bible déclare, ils ont projeté du mal contre moi. Ils ont conçu des mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Mais bien-aimés dans le Seigneur, je répète, ils ont projeté du mal contre toi. Ils ont conçu des mauvais desseins, mais ils seront impuissants.
Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous allons rendre impuissants tous les projets de l'ennemi contre ta vie en ces jours, contre ta famille, contre ta santé, contre tes affaires, les projets de malheur qu'ils ont projetés. Seigneur, d'aller, mon Dieu, dans mes rendez-vous, dans les rendez-vous de ma femme, dans mon travail, tout projection de mal. Seigneur, d'aller, mon Dieu, j'anéantis, je brise. Seigneur, d'aller, mon Dieu, que ce soit dans les rendez-vous des médecins, toutes les maladies, les condamnations des maladies opinaires, les condamnations des ténèbres soient brisées maintenant. Toute projection qui a été faite les 14e jour des mois de juillet 2020, je brise cela, j'annule. C'est un arrivant par Seigneur mon Dieu contre ma vie, contre la vie de ma femme. Seigneur, Seigneur mon Dieu, toutes les condamnations qu'ils ont projetées, tous les malheurs qu'ils ont projetés soient renversés. Ça ne nous arrive pas contre ma vie, contre ma femme, contre ma maison, contre ma projeté. Je viens détruire le projet des ténèbres. Ils seront impuissants au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont projeté, Seigneur, Seigneur mon Dieu, contre mes partenaires, nos partenaires aujourd'hui, l'éternel mon Dieu, c'est l'éternel mon Dieu, les mâles qu'ils ont déclarés soient renversés maintenant, soient détruits maintenant, soient brisés maintenant. Tout ce qu'ils ont prévu, les agents du diable, ils ne pourront pas les équiter, ils ne pourront pas les équiter. Je les rends impuissants, je les rends impuissants. Et tout ce qu'ils ont projeté contre la vie de ma soeur qui me suit maintenant, l'éternel mon Dieu, j'annule cela, quelqu'un soit contre, ce qu'ils ont projeté contre la santé, contre le travail, contre nos filles. Non, quand tu es Seigneur nos projets de ce jour, tous les mâles projetés soient annulés, évoqués, soient détruits par le sang de Jésus. Le Dieu de toute gloire, car ils ont projeté le mal contre moi, contre ma femme, contre le peuple de Dieu, contre nos enfants. Seigneur, ils ont conçu des mauvais desseins, quels que soient les mauvais desseins qui ont été conçus, qu'on a déposé sur quelqu'un pour les équiter. Seigneur, Seigneur, mon Dieu, c'est les gens qui seront en contact avec moi ce jour. Je brise les desseins du diable, les desseins de ses accords, le décès des sorciers de ma famille, le décès de mes ennemis, au nom puissant des jeunes, ne s'accompliront pas. Le décès des démons, le décès des esprits qui ont resté toute la nuit en train de faire des incantations, au nom puissant des jeunes, les décès qu'ils ont prévu contre moi, contre ma femme, contre toi, peuple de Dieu, j'annule maintenant, j'ai révoqué cela. Ça n'arrivera pas. Toutes les condamnations, toutes les malédictions qu'ils ont projetées, annuler ces malédictions, révoquer ces malédictions qu'ils ont déclarées sur ta terre. Sur ta terre maintenant, par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du sang, j'anime, Seigneur éternel mon Dieu, tout ce qu'ils ont déclaré à la terre aujourd'hui, tout ce qu'ils ont écrit, révoquez mes bien-aimés, révoquez les malédictions qu'ils ont prévues en ces jours dans la terre du 14 juillet 2020. Seigneur éternel mon Dieu, j'ai révoqué cette malédiction sur ma vie, sur la vie de ma femme, tout ce qu'ils ont écrit, tout ce que la terre a enregistré aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, j'annule tout ce que Seigneur, ils ont programmé sur le soleil. Seigneur, j'annule les malédictions sur le soleil, les malédictions sur la lune, sur les astres, sur la terre. Seigneur, éternel, mon Dieu, soit révoqué, soit annulé, soit effacé. Ça n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu. Les desseins de l'ennemi, les desseins de l'ennemi, les mauvais desseins de l'ennemi, soit renversé, soit les mauvais desseins de l'ennemi contre ma santé, contre la santé de ma femme, contre la santé de ma possibilité, soit révoqué, soit annulé au nom puissant de Jésus. Oh Dieu de toute gloire. Tu es le seul véritable Dieu. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Oh Seigneur éternel, mon Dieu. Oh Dieu de toute gloire. Merci Seigneur éternel. Oh merci. Au verset 13, toujours du 21. Car tu leur feras tourner le dos. Avec ton acte, tu t'y es rassuré. Oh mes bien-aimés, que l'Éternel s'occupe de tout celui qui a été équipé pour te condamner, pour t'amener la malédiction aujourd'hui. Toutes tes personnes, peut-être même tes partenaires, là où tu vas aller dans les rendez-vous, même dans les chez les médecins là, ils ont envoûté la nuit pour te condamner. Nous allons libérer le feu contre ces personnes-là qui ont envoûté la nuit pour nous condamner. Ils n'accompliront pas. Ils seront impuissants au nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur. Père éternel, mon Dieu, Dieu de toute gloire, nous consumons. Nous avons le feu contre toutes ces personnes envoûtées aujourd'hui par les diables que les démons habitent pour nous condamner, pour condamner notre vie, pour condamner nos âmes, pour condamner nos esprits. Partout nous serons, qu'elles soient au travail,
qu'elle soit Seigneur les rendez-vous des médecins de mes bien-aimés en ce jour. Seigneur éternel mon Dieu, toutes ces heures, ces médecins, Seigneur éternel mon Dieu, Dieu de toute puissance. C'est-à-dire équipé à nous condamner aujourd'hui. Soit détruit maintenant, soit cassiné maintenant, soit carbonisé maintenant, soit brûlé par le feu, soit brûlé par le feu, soit brûlé par le feu, soit brûlé par le feu. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu de toute gloire. Seigneur éternel, mon Dieu, fais-les tourner les dos. Fais-les tourner les dos. Qu'ils soient puissants pour accomplir tout ce qu'ils ont prévu en ces jours. Nous allons annuler les rêves diaboliques, les rêves de ténèbres. Peut-être que tu n'as pas retenu, mais il y a eu des engagements, il y a eu des alliances. Nous allons briser les alliances et annuler tous les mauvais rêves et les cauchemars que nous avons eu cette nuit au nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur, tous les engagements, les alliances que j'ai signées au travers la nourriture nocturne, au travers le sexe et la nuit, au travers les contacts avec les agents du diable, j'annule ces alliances, je brise ces alliances, j'ai détruit les alliances que j'ai signées avec les reines du ciel, avec le diable, avec le serpent, avec le Seigneur éternel mon Dieu, au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu de ton gloire, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance et la magnificence. Merci Seigneur éternel, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ Césarée. Merci Seigneur éternel, merci l'homme de Galilée, mes bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu est fidèle. Nous sommes entrés toujours de parler, révoquer les malédictions. Les malédictions écrites sur la terre contre nous. C'est là où nous sommes. C'est une semaine où le Seigneur doit se manifester. Car quelqu'un qui est sous la malédiction, il ne peut pas avoir le repos de Dieu. Où le Seigneur nous a appelé à avoir le repos. Mais bien aimé dans le Seigneur, mais ce qui tue le chrétien, c'est l'ignorance. L'ignorance. Lorsque tu ne connais pas, tu ne peux pas combattre. Lorsque tu n'y connais pas, tu ne peux pas être sérieux. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, les chrétiens vivent avec la malédiction. Ils voient la malédiction, mais ils ne prennent aucune action. Ils se voient que c'est normal. C'est Dieu qui a permis. C'est tout chaud qu'on court au bien de ce qui est Dieu. Alors que tu as été d'être détruit. Voilà pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, la première des choses est que le Seigneur nous amène à comprendre, à prendre conscience que nous sommes réellement sous l'état de la malédiction. La malédiction est là. Voilà pourquoi ça se manifeste, mais nous avons la parole de Dieu. Voilà pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et quand tu as rejeté la connaissance, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu va te rejeter. Voilà pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vraiment prendre conscience. J'aimerais que tu examines ta vie. Parce qu'après avoir examiné ta vie, que toi tu vas voir si réellement les choses marchent à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de la parole de Christ, à la lumière de ce que Jésus a dit, tu vas te trouver. Si tu es dans la malédiction ou tu n'es pas dans la malédiction, mais bien aimé dans le Seigneur. Mais le fait de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur ne t'enlève pas la malédiction directe. Tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu, avec tout, avec la sorcellerie, avec les démons, avec toutes les puissances à nous. Mais nous avons reçu le pouvoir que tu dois exercer, à renoncer à ces choses, à refuser à ces choses, à renoncer à la malédiction, à reconnaissant que Jésus s'est fait malédiction pour que moi, je sois une bénédiction et je ne peux pas être dans les chaînes du diable, dans les chaînes de ténèbres, vivre dans les malédictions. Continuer et c'est là que nous pouvons vivre la gloire de notre Dieu et le Seigneur va se glorifier. Alors nous allons lire quelques passages toujours avant de continuer. Et demain que les choses sérieuses vont commencer avec dans notre va bien parler des sources de la malédiction. Là ça deviendra plus intéressant par rapport pour que chacun de nous puisse avoir la révélation. Mais ce matin, nous allons lire quelques passages qui vont nous amener à la prière. Le premier passage, nous allons essayer de lire la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, chapitre 6. Jérémie, chapitre 6. Verset 19. Écoutez, terre, voici, je fais venir ici ce peuple
le malheur fouit de ses pensées, car ils m'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi, la parole du Seigneur. Ça, c'est Dieu qui parle. Ce sont les malédictions qui viennent de Dieu. Nous allons le parler aujourd'hui. Je voulais vous donner pour que chacun de nous prenne conscience. C'est Dieu qui dit. Il dit, écoute la terre, comme nous avons vu là, le dimanche. Écrivez cet homme, comme il ne prospérera pas. Comme cet homme, il n'y aura pas de ses descendants, ne montera pas sur le trône, comme privé d'enfants. Mais bien aimé, ici encore, on parle à la terre. La terre, écoute la terre. Voici, je veux faire venir sur ce peuple le malheur. Le malheur, c'est ça que nous appelons la malédiction. Fruit de ses pensées. Parce que nos pensées sont mauvaises. Parce que nos pensées sont méchantes. Nos pensées travaillent, sont fertilisées pour le mal. Et le Seigneur dit, j'enverrai le mal. Je vais faire venir sur ce peuple le malheur. Le malheur fouillé de leurs pensées. Car ils n'ont pas été attentifs à mes paroles. Chaque fois qu'on désobéit à la parole de Dieu, on amène la malédiction dans notre vie. Chaque fois qu'on pêche, on amène la malédiction dans notre vie. La Bible déclare, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Pourquoi si on savait que chaque fois que nous péchons, il y a la mort qui est appelée dans notre vie. Et cette mort-là a un nom. Cette mort-là s'appelle la malédiction. La mort-là s'appelle les échecs. La mort-là s'appelle l'humiliation. La mort-là s'appelle la perte des choses. La mort-là s'appelle l'ignominie. C'est-à-dire la maladie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de mauvais qui est tâté dans notre vie. Alors si on savait ça, bien aimé dans le Seigneur, on devait être conséquent nous-mêmes. Que chaque fois que je pêche, même un petit mensonge-là, j'ai amené le malheur dans ma vie. Au niveau des pensées seulement. C'est que tu as peur de pensées négatives où tu ne reconnais même pas la Seigneurie de Christ. Le Seigneur a mis le malheur. À plus forte raison, les actes que nous posons tout le jour. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, dans le Seigneur, nous devons être sages et comprendre ces choses. D'entendre ces choses, que lorsque nous faisons du mal, le Seigneur nous punit toujours. Le péché, amen, c'est la source des malédictions. C'est la première source des malédictions dans la vie de chacun enfant de Dieu. Alors, ce qui fait que depuis que tu as, nous avons commis le péché, combien de malheurs la terre a enregistré? Combien de malédictions la terre a enregistré? Parce qu'on parle toujours à la terre, parce que ta résidence, c'est la terre. Nous sommes sur la terre. Lorsque la terre est maudite, partout tu vas aller, partout tu vas faire. Tout ce que tu vas faire, tu ne bâtiras rien. On dit qu'ils ne bâtiront pas. Tu ne bâtiras rien. Pourquoi? Parce que la terre est maudite, a enregistré la malédiction. Et à ce moment-là, nous ne pourrons pas vivre la gloire de Dieu. Ça, ce sont des malédiction qui vient de notre Dieu lui-même, qui vient de notre Seigneur. Mais bien aimé non le Seigneur, nous pouvons aller avec la parole de Dieu toujours dans les livres d'Ésaïe. Dans les livres de Ésaïe chapitre 27. Ésaïe chapitre 27, verset 27. Le verset 11. Car les rameaux sèchent, on les brise. Des femmes viennent pour le brûler. C'est un peuple sans intelligence. Aussi, celui qui l'a fait n'a point eu pitié de lui. Celui qui l'a formé ne lui a point fait grâce. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce qui nous intéresse, c'est la deuxième partie. C'est un peuple sans intelligence. Si on était intelligent, on ne pouvait pas continuer la vie de péché. Si on était intelligent, bien aimé dans le Seigneur, on ne pouvait pas donner l'accès au diable. Si on était intelligent, parce que la parole est claire, si on est un peuple sans intelligence, aussi, celui qui l'a fait n'a point eu pitié de lui. Lorsque tu es dans le péché, parfois, mes bien-aimés, Dieu n'a pas pitié. C'est la répatence seulement qui va amener la colère de Dieu à s'arrêter dans notre vie. C'est un peuple sans intelligence. Aussi, celui qui l'a fait n'a point eu pitié de lui. Celui qui l'a formé ne lui a point fait grâce. Mais bien-aimé dans le Seigneur,
le péché enlève la grâce de Dieu. La repentance et retourne la grâce de Dieu. Mais bien aimé, non, le Seigneur, voilà pourquoi nous devons être intelligents, de comprendre ces choses. On a déjà, les malheurs ont été enregistrés. Nous ne pouvons plus continuer dans le péché, à être dans le... à être au milieu de mon cœur, de s'asseoir avec ceux qui parlent mal des gens, qui critiquent les gens le long du jour. Tu dois les éviter. Si tu as encore, tu prends encore plaisir dans ces choses-là, tu es sans intelligence, tu es sans intelligence, sans connaissance. Ah, bien, voilà pourquoi, mes bien-aimés, le Seigneur, nous allons encore revenir ce matin et implorer la miséricorde de Dieu. Parce que nous avons agi sans intelligence, nous avons commis des iniquités, des péchés de tout genre. Nous implorons la miséricorde de Dieu au nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur. Père éternel, mon Dieu, Dieu de toute gloire, ce matin, Père, nous voulons implorer seulement ta miséricorde. La terre a déjà enregistré les malheurs dans notre vie parce que nous sommes sans intelligence. Nous sommes sans intelligence. Seigneur éternel, mon Dieu, nous avons agi en insensé parce que nous avons désobéi à ta parole. Nous avons désobéi à ta parole. Seigneur, pardonne-nous. Jésus, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, l'homme de Galilée. Et pitié de nous. Et pitié de nous, Seigneur. Et pitié de mal attaché à nous, Père. Nous agissons sans intelligence. Seigneur éternel, mon Dieu. Ô Dieu de toute gloire. Nous agissons, Seigneur éternel. Ô Dieu de toute puissance. Sans intelligence. Seigneur éternel, mon Dieu. Pardonne Jésus. Pardonne, Seigneur éternel. Pardonne l'homme de Galilée. Pardonne l'homme de compassion et de douleur. Jésus, pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, l'homme de Galilée. Pardonne Seigneur, pardonne Jésus-Christ. Nous sommes sans intelligence. Nous sommes sans intelligence, Seigneur. Oh Dieu de toute gloire. Seigneur éternel, mon Dieu. Dieu de toute gloire. Ayez pitié de nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous l'homme de Galilée. Pardonne-nous l'homme de compassion et de douleur. Ayez pitié de nous. Toutes les désobéissances qui a amené le malheur. Quelle est la terre a enregistré le malheur dans notre vie. Le malheur dans notre âme. Le malheur dans notre esprit. Ayez pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous l'homme de Galilée. Pardonne-nous l'homme. Reviens maintenant au nom puissant de Jésus. Mais bien-aimé, nom de Seigneur. Nous allons implorer que notre Dieu. Nous allons supplier notre Dieu qu'il revienne à toutes les malédictions qu'il avait déclarées sur nous. Que l'Éternel revienne par cause des actes que nous avons posés. À cause des actes que nous avons eu à faire. Au nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur. Père éternel, mon Dieu. Regarde tout le malheur qui m'arrive. Qui arrive à ma femme. Qui arrive à ma progéniture, à cause des actes que nous avons posés. Seigneur éternel, mon Dieu, je t'en supplie, Père, reviens à ta décision, reviens à ta décision, ta colère, que la repentance appelle la colère, Seigneur éternel, la vie de ma soeur, tous les actes que nous avons posés, Seigneur mon Dieu, c'est que nous avons essayé, ce que nous récoltons aujourd'hui, car la terre enregistrée, Seigneur éternel, mon Dieu, enlève la malédiction. Si ma terre, Père, enlève la malédiction, c'est la terre de ma vie, c'est la terre de mon foyer, c'est la terre de mes affaires, c'est la terre de mes... et mes projets, Seigneur éternel, mon Dieu, enlève la malédiction dans ma vie, la malédiction qui me poursuit partout où je vais, Seigneur éternel, mon Dieu, parce que la terre enregistrée, parce que la terre enregistrée, le malheur qui me poursuit, les maladies qui me poursuivent, les échecs qui me poursuivent, Seigneur éternel, mon Dieu, les anomalies, Seigneur éternel, mon Dieu, enlève cela, Père, au nom puissant de Jésus. Nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur éternel, mon Dieu, toutes les humiliations, l'iniquité, Seigneur qui me poursuit, Seigneur éternel, mon Dieu, enlève cela, Père, reviens, Seigneur éternel, reviens à ta décision, tu ne restes pas en colère pour toujours, tu es là la colère, riche en bonté, les dieux compatissants, les dieux là la colère, Seigneur éternel, mon Dieu, reviens, Seigneur éternel, par la repentance, enlève la malédiction dans ma vie, enlève la malédiction dans ma vie, enlève la malédiction d'échec, enlève la malédiction de stérilité, enlève la malédiction d'innovation, enlève la malédiction de ton peuple, Seigneur éternel, mon Dieu, ô Dieu de toute gloire, nous prions à toi, Seigneur, nous crions à toi, fils de David, ayez pitié de moi, ayez pitié de moi, mais bien dans le Seigneur, demande pitié de Dieu, la pitié de Dieu, demande de la miséricorde, que sa miséricorde descende dans notre vie, que sa miséricorde, Seigneur, tu es Dieu, miséricordieux, compatissons, Seigneur, compatis maintenant, enlève les malheurs, enlève nos pauvres, j'ai reconnu mon mal, j'ai reconnu que j'ai désobéi, que j'ai agi, Seigneur éternel, sans connaissance.
Merci Seigneur éternel, mon Dieu, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur éternel, merci l'homme de Galilée. Mais bien aimé nom de Seigneur, nous allons révoquer les malédictions qui viennent du diable, quand la terre enregistrée, qu'elle est même à écrit sur ta vie, que tu ne prospéreras pas, que tes enfants ne prospéreront pas. Tu connais ce qui est dans ton corps, ou tu connais ce qui est dans ta main. Tu vas déclarer, tu vas parler à la terre, et tu vas annuler, parce qu'il nous a donné le pouvoir d'annuler les malédictions, de révoquer la malédiction, au nom puissant de Jésus, au Père éternel. Allez mon Dieu, tout ce qui a été écrit sur la terre de mon mariage, sur la terre de ma vie, sur la terre de ma santé, sur la terre de mes affaires, j'ai révoqué la malédiction déclarée, prononcée. Éternel mon Dieu, c'est ma vie, c'est la terre des hommes, pas les agents du diable, pas les démons, pas les sorciers de ma famille, pas les mes ennemis. Toutes les paroles de malédiction qu'ils ont prononcées sur la terre, je les révoque maintenant. Les paroles d'échec, les paroles de mort, les paroles de stérilité soit révoquée dans ma vie, dans la vie de ma femme, dans la vie de ton père. Les paroles, Seigneur, des malédictions, Seigneur éternel, mon Dieu, les paroles incantatoires soient révoquées, car Christ a abrogé la tête dans les autres, en nous condamnant et qui subsiste contre nous. Christ a annulé, a écrit sur la terre pour annuler les condamnations qui pèsent sur ma vie, les condamnations familiales, les lois établies, les décrets signés contre ma femme par les sorciers. Les sorciers ont écrit. Seigneur, sur la terre, tout ce qu'ils ont dit sur la terre, tout ce que mes ennemis ont dit sur la terre, je prends les points du sang de Jésus, je fasse cela sur la terre de ma vie, sur la terre de mes projets, sur la terre de mes affaires, sur la terre de mes études, des études de mes enfants, sur la terre, Seigneur éternel. De mon travail, j'annulais, j'ai révoqué la malédiction du diable, j'ai révoqué la malédiction du serpent, j'ai révoqué la malédiction de tout genre. Mais bien dans le Seigneur, soyez spécifique par rapport à ta situation. La malédiction des maladies mentales, des maladies mentales là, des maladies mentales qui reviennent, la folie qui revient, la démence qui revient, annulez cela. L'infirmité dans la vie de tes enfants, annulez toute malédiction d'infirmité dans la vie de tes enfants, dans ta vie, dans ma vie, j'annulais toute infirmité dans mon corps, toute infirmité dans mon âme, j'annule la malédiction des pauvretés, des blocages, des freinages, des régressions, des rétrogradations, des puissances. Seigneur éternel, mon Dieu, sois révoqué, sois annulé, toute malédiction, Seigneur, enregistré par la terre. Toi, terre, je te parle maintenant, au nom puissant de Jésus. Moi, je ne suis pas maudit. La malédiction a été transférée à Jésus. Je ne peux plus porter la malédiction, au nom puissant de Dieu. Toi, la terre, tout malheur, enregistrer, j'ai révoqué la terre, j'ai révoqué la malédiction que tu as enregistré, qu'on a placé sur moi, qu'il écrit cet homme comme il n'aura pas d'enfant, qu'il écrit cet homme comme il n'y aura pas de l'éternel, mon Dieu, comme il ne prospérera pas, ses enfants ne prospéreront pas, qu'ils ne monteront pas, ils seront toujours des esclaves. J'annule la malédiction d'esclaves, j'annule la malédiction des sorciers, des agents du diable, la malédiction des esprits des eaux prononcés contre moi. Si la terre, que la terre enregistré au nom puissant de Dieu, que ces malheurs, que ces opprobres soient annulés, soient révoqués au nom puissant de Jésus. Mais bien dans le Seigneur, parle à la terre et programme la bénédiction au nom de Jésus. Seigneur éternel, mon Dieu, que je déclare sur la terre tout ce qu'elle est ennemie. Là où il y avait, Seigneur éternel, la stérilité, je déclare la fécondité. Là où il y avait la mort sur la terre, la mort qui a enregistré. Je déclare aujourd'hui la vie sur la terre, les finances, les façon, au nom puissant de Dieu, je déclare ma progéniture sur la terre. Nous allons prospérer. Je vais prospérer. Ma femme va prospérer. Les enfants de Dieu vont prospérer. Au nom puissant de Dieu. Là, vous avez dit que nous n'allons pas nous élever sur le trône. Nous allons nous élever. Au nom puissant de l'élévation. La terre enregistre l'élévation, la gloire, la faveur de l'État. Partout où je vais aller, partout où je vais aller, partout où je foulerai la plainte de mon pied, c'est sera de nos possessions. Au nom puissant de Dieu, je déclare la vie, je déclare la vie, le succès, enregistre le succès, enregistre la guérison de mon frère, de ma soeur, au nom puissant de Dieu, au nom puissant de Dieu, la terre, je te parle, enregistre aujourd'hui la réussite, à tout ce que je vais apprendre, la réussite de l'éternel, parle à la terre, déclare ce que tu veux, c'est la terre, tu m'es favorable, la terre va m'apporter toutes les richesses, la terre va m'apporter toutes les richesses, au nom puissant de Dieu. Merci Seigneur éternel. Gloire et louange à toi Seigneur. La Bible déclare, remets ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Voilà pourquoi mes bien-aimés dans le Seigneur, tu vas demain
commander la journée ici entre les mains du Seigneur. Mais avant que nous puissions commander, nous allons chasser tous les esprits qu'on nous a envoyés, les démons qu'on a envoyés contre nous. Nous allons les chasser dans, loin de nos vies, loin de nos chemins. Tous les démons de surveillance, de contrôle, ce qu'ils nous visualisent partout où nous passons, partout, nous allons les consumer. Ils ne vont pas nous voir, nous allons crever leurs yeux au nom puissant de Jésus. Que leur but soit, tombe à pourriture au nom puissant de Jésus. Père éternel, mon Dieu, tous les démons qui ont été largués à ma compagnie aujourd'hui pour détruire ma journée, pour détruire la journée de ma femme, des enfants de Dieu, nous lions ces démons, nous brisons ces démons, nous chassons ces démons, loin de nos vies, loin de nos travaux, loin de partout où nous allons partir dans les rendez-vous. Tous les démons qui nous ont précédés, nous les lions, nous les enchaînons, nous les renvoyons tout droit dans les habits des enfants, au nom puissant de Dieu. Tous ceux qui nous visualisent dans des loin, qu'elle est robuste, tombe à pourriture, au nom puissant de Dieu. Nous crèvons les yeux des esprits de contrôle. Ils ne vont pas tomber. Les chemins de mon frère, les chemins de ma soeur, mon chemin, les chemins de ma femme, nous les frappons d'assourdissement, nous les frappons d'aveuglement. Même ceux à qui, Seigneur éternel, mon Dieu, ils se sont possédés la nuit, nous chassons de leur vie tous nos partenaires qui ont été envoûtés, où les démons sont en train de parler à nous. Nous les lions, nous chassons les démons de leur vie, au nom puissant de Dieu. Nous délogeons tous les esprits en nous qui nous contrôlent, qui nous parlent. C'est l'éternel, mon Dieu, soit cassiné, soit délogé, tous les illégaux dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, tous les démons largués contre nous, nous les lions, nous les enchaînons et nous les précipitons tout droit dans les abîmes sans fond. Et cela au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur éternel, merci l'homme de Galilée. Remets ton sort à l'éternel, remets la journée, ton travail, tout ce que tes enfants vont faire, remets entre les mains du Seigneur. Et éternel, tu as dit Seigneur éternel, remets ton sort à l'éternel, mets en toi la confiance et je réussirai. Je te remets tous les projets de moi et ma femme aujourd'hui, c'est des spirituels et physiques, les rendez-vous que nous aurons, les travails entre tes mains. Seigneur éternel, mon Dieu, dirige-nous, conduis-nous, donne-nous la victoire partout où nous allons passer. La victoire de l'éternel nous accompagne, que nous trouvons grâce auprès des hommes et auprès de toi, que nous trouvons faveur auprès de toi, auprès des hommes. Faveur, grâce, nous accompagne partout. Faveur, grâce, nous accompagne partout. Faveur, grâce, nous accompagne partout. Au nom puissant de Jésus, tous les échecs, les Seigneur éternel, mon Dieu, les mauvais rapports, tous les rapports négatifs, Seigneur éternel, mon Dieu, soient effacés, soient révoqués. Au nom puissant de Jésus, Seigneur éternel, mon Dieu, que la gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence ne reviennent qu'à toi. Remercie le Seigneur, dis merci à Dieu, dis merci au Seigneur et au Dieu de toute gloire. Merci Seigneur, car tu as dit tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Merci Seigneur pour la victoire, merci Seigneur éternel pour les malédictions que tu as révoquées aujourd'hui. Merci pour ta parole, merci pour cette journée merveilleuse, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance ne reviennent qu'à toi et à toi seul, toi qui vis infiniment au nom puissant de Jésus. J'ai béni tes enfants. Je libère une onction spéciale sur leur vie. Je bénis leur journée. Seigneur éternel, mon Dieu, que tout ce qu'ils vont entreprendre aujourd'hui réussisse au nom puissant de Dieu. Que ce soit une journée de joie, une journée de paix, une journée de tranquillité. Que tout ce qui est mauvais soit éloigné de notre parcours au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu de l'éternel le précède partout. Que le son précède partout au nom puissant de Dieu. Et neutralise même le COVID-19. Les contaminations de tout genre, au nom puissant de Dieu, partout nous allons nous asseoir, nous éloignons les COVID-19, nous éloignons les COVID-19, par la puissance du sang, par la puissance du sang, par la puissance du sang, par la puissance du sang. Soyez bénis au nom de Jésus, va et possède ta possession, va et sois plus que vainqueur, au nom puissant de Jésus, que nous scellons nos prières dans le sang, que le sang te couvre, nous rende invisible, invulnérable à tous les attaques de l'ennemi. Seigneur, tu as dit, tu ordonneras tes anges de nous transporter afin que nos pieds n'aient contre la pierre. Libère les anges pour transporter chacun d'entre nous et nous a donné un bon port. Au nom puissant de Jésus, nous allons sortir avec toi et nous allons rentrer avec toi. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons nous retrouver ce soir pour le combat spirituel. Partagez mes bien-aimés.
partager. On a encore vraiment rien. Partageons, partageons, partageons pour que Dieu puisse se glorifier au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire revienne qu'à lui, à lui seul. Moi et ma femme, nous vous aimons de l'amour sincère, de l'amour vraiment de Christ. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Bonne journée, bon après-midi à chacun d'entre vous.